Ange aliwa a existé ka batinda ka epe mission ce que mutwaza peut-être na contentieux na mutaleke na spiritualité ba ko pe ko tindele moni maliwa soit ba pesi mutu meka sacrifice légalement spirituellement mutu ba ko zoyé. Donc c'est important de le savoir. En faisant la lecture, on voit que l'enfant avait déjà l'esprit de mort qu'il a attiré vers ces lieux. Parce que l'esprit de mort est bien ici quand il y a un rocheve. Bon, moi, on a balioué belé au Salémi et Salémi les kamuka kamuké, c'est-à-dire mutakufi. C'est-à-dire l'esprit de mort t'appellera au lieu de la mort. Net bateau basini na lac, c'est l'esprit de mort. Parce que na oki témoin bateau sur les gens bateau sur les ratagi komata na bateau ana batikali mais bateau bakenda ki bakufi. Donc l'esprit de mort t'appelle au lieu où il va finir avec toi. Donc esprit de mort nebenda ki ndekoana na par kouana pour y achever. Papa fa wanga mutse ka wanga ni mwana c'est ka bannir mwana na ye. Le papa a banni sa fille donc a wanga ni a renoncé na ye. Donc c'est-à-dire mana bongo ba esprit ezora bango et comme akakota molana bango bazana na protection papa te. Le papa a une protection si le papa reconnaît sa fille, si le papa reconnaît son fils, il y a une bénédiction qui marche avec l'enfant. Mais cela n'empêche une fille bannie, mais le Seigneur lui bénit. Vous voyez? Donc c'est important. Donc moi je vois pas que Ezali ma famille de Fongwama ba porte. Ma porte koko Fongwama. Ba porte koko Fongwama, mais na na vie à moi na, mais quoi empêcher moi na réussir venir pour la ba te belé ba négliger ba noto ba lotaka. Deuxième, Ezana ba te ba négliger la prophétie. Ozomona, aujourd'hui la prophétie est devenue comme un mythe. C'est-à-dire les gens voient que la prophétie est que du mensonge, en fait, ce sont des arrangements. Or, que nous avons dit, papa, c'est bien, c'est comme incrédule, parce que le phénomène manque, tu sais, le phénomène arrangement, ils ont dit, maintenant, c'est comme incrédule, il y a un moni, c'est comme trop, parce que, Excellente condition télévisuelle, chers amis téléspectateurs, vous nous regardez de partout sur Équilibre TV. Jérémy Luemba, les renards du désert est devant vous. Alors tout à l'heure, je suis avec un serviteur de Dieu, l'apôtre Gédéon Kayembe. Nous allons essayer de parler sur l'ange de la mort, l'esprit de mort. Ça existe réellement ou pas? Comment l'arrêter? Comment les chasser? Et puis te retoucher, Marambo et Tali, réclamation, condamnation en famille. Et tout ça, tu es belé dans la confusion. Ba mort subite est commis et belé dans mon cas. Tu es beaucoup fait belé. J'en profite également pour présenter nos sincères condoléances à la famille Alexandra Koufi au Canada. Liwana et Pessi, ba Congolais et belé dans l'Africain Passi. AGK est notre invité. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, monsieur Jérémy Luemba. Alors, démarrons d'abord par la prière avant tout côté à la vie facile. Seigneur, merci. Tu es merci pour la grâce. Tu es merci pour la loupe. Tu es merci. Merci Seigneur pour la faveur. Si tu as été ce que tu as dit, et tu as pour la gloire, dans le combat Jésus Christ. Amen. Amen. Je disais que le solo est ange de la mort, n'a esprit de mort. Est-ce que existe un cas? Tu rechasses un mot comment? Et puis comment il agit dans la vie à mon tour? Il y a des signes où il est visible ou comment l'on peut dire? Oui, le signe à l'Iwa est visible. L'esprit des morts existe. Sur autant qu'il y a Exode chapitre 12, verset 1, la Bible parle de l'ange de la mort. Nous avons routine un ange de la mort pour la destruction. Il y a Égypte. Et la Bible dit que ce qui est ange de la mort, à Moniango, à Kosimbate. Donc on peut stopper l'ange de la mort et on peut chasser l'esprit des morts. Alors comment est-ce qu'ils ont un signe? Nous avons un esprit des morts dans la Katinaïe. Te redécouvrir en comment mais yé moko à ressentir à comme ni premièrement d'abord ma coupé c'est ba songe ba noto à comme na ko lota soit yé moko à koufi soit à ke matanga soit ba tu ba koufa ba zo mona ba koufa na ba noto parce que ça na ba te belé soit
komi pime na kokufa akobanda ko lota batu bakufa mama na akufa ba solana ye ko joyer mona na kufa ça dit ba koti en connexion avec le monde de mort il faut yeba que tout ça na monde de mort tout ça na séjour de mort donc ba koti en contact na mokiluana akomi ko communiquer na bango akomi ko mona bango loko là dans le physique loko là dans réalité actuelle au fait voilà c'est un peu ça et deuxièmement ba kopé ça y odeur a dit mutu peso nga kufa. Deuxième signe, il y a solo. Alors, comment vous dégagez solo moko inhumain en fait hein? Solo moko boye, solo mabe. La plupart des bâtiments vont dégager solo mabe et ils vont dire que c'est un tant que moi, je vais dire que c'est un dégagé solo moko boye, Alain moko bien tenu dans Zoto et ils vont signaler. Et troisième, le comportement provocateur. Au moins, je suis sous la tête de mon Makoufa, je suis sous le comportement provocateur. Au moins, je suis sous la tête de mon Makoufa, je suis sous la tête de mon déjà banaka la tête de gravité, na suis sous la tête de mon Makoufa. Le comportement provocatrice et troisième signe, les rechutes dans la maladie. Le même malade au Belaki, le même malade au Belaki, les malades des ongles sous. Dans ce monde, je suis sous la rechute, la rechute, la rechute, et je suis sous la tête de mon. Alors ça c'est très bien compris bandeko bota la biso tozu kaya ndeko na biso notre jeune sœur hein, Alexandra waza mwana azaleki akufi na Canada famille ne balukié pendant plusieurs jours ba alerté communauté congolaise na Canada avec la police canadienne ba sali banquette ba yo trouver corps na sous l'eau na se amai mwana ici akufi alors kota la ba photo o yo za ko circuler l'internet. Au moment que on irait moins dans un rendez-vous dans un milieu un peu isolé, n'est-ce pas parc, on irait moins site touristique Moroboye, azo kotaye moko, azaki un peu moins très froide, azo kende na moins tristesse, et est-ce que moi na tokolo ba isa, elle a été sacrifiée, isa moro moko normal, yo osali lecture ni na liwa moi na. Lecture spirituelle, la mort, c'est d'abord l'enfant avait l'esprit des morts. D'abord. Provoqué par ses parents, famille naïe. L'esprit des morts, ils allaient, soit. Batoubartin n'a pas et au moins, il n'y a pas de bomamoutou. Au moins, il n'y a pas de bomamoutou. Il y a une prière, il y a un ennemi qui a été mis en train de se faire. Donc, il y a un commandant qui a été mis en train de se faire. Il y a un ange à l'Iwa. Donc, ange à l'Iwa a existé. Il y a une mission. Ce qui est peut-être un contentieux, il y a une spiritualité. Il y a un ange à l'Iwa. Soit, il y a un ange à l'Iwa. Il y a un ange à sacrifice légalement, spirituellement, il y a. Donc, c'est important de le savoir. En faisant la lecture, on voit que l'enfant avait déjà l'esprit de mort, qu'il a attiré vers ces lieux. Parce que l'esprit de mort, il y a un esprit qui est en chevé. Pour moi, il y a un esprit qui est en chevé. Il y a un esprit qui est en chevé. C'est-à-dire, l'esprit de mort t'appellera au lieu de la mort. Net bateau basini dans le lac. C'est l'esprit de mort. Parce que naoki témoigne batou souke ils ont batou souke ba rataki komata na bateau wana batikali mais bateau bakendaki bakufi. Donc l'esprit de mort t'appelle au lieu où il va finir avec toi. Donc esprit de mort ndebendaki ndeko wana na park wana pour y achever. Voilà. Alors voilà, je pense que ba liwa ba genre comme moi belé ba accident ba naufrage ba mort subite ba mort moro précoce. Et comment est-ce que tu as ça pour éviter cela? Comment chasser l'esprit de mort? Il faut que gêner, il faut que tu aies la montagne, il faut que ça une prière intense. Quelle est votre idée? D'abord, la plupart des cas, les rêves sont révélateurs. Voilà. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça, c'est que Dieu parle de l'autre manière. Deuxième, et ça, c'est que Dieu parle de la prophétie. Aujourd'hui, la prophétie est devenue comme un mythe. C'est-à-dire, les gens voient que la prophétie est que du mensonge. En fait, ce sont des arrangements. Or, que nous papa. Batébélé, bah combien incrédule parce que Macambébélé, les phénomènes manquent là. Tu sais, les phénomènes arrangements, ils ont bima. Maintenant, bah combien incrédule. Il y a un moni batu, bah donc trop parce que bah donc boya koyo que le bélianza y a nzambe. Non, il faut bah tu bah consulter bah prophète pour na bah vie na bango. Pour na bah vie na bango, c'est important. Tout grand homme élevé, bah t'as là bah médium na bango.
médium, c'est qui? Ce sont des voyants. Bateau, mais ici, fait ça, dans 5 ans, il y a cette chose qui va arriver dans ta vie. Que bateau, on a danger, place. Oui, papa, la vie est spirituelle. Quand tu ne consultes pas le prophète, quand tu ne consultes pas le voyant, tu vas te rencontrer à beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, je suis réticent parce que moi, ma BP Kotimingi, Nanzela, il y a ma prophète, ma prophétie, mais la prophétie est importante. Bon, tu as là Samuel, Saoul, pardon, Saoul, Azor et Nogoluka, ma nes perdu. Il y a papa Naï. Baluki, 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 ba monité. Mais à tout moment, est-ce que Namboka Oyo, il n'y a pas un prophète à qui pourrons-nous consulter Dieu? C'est-à-dire, Dieu les consulte, mais par le biais de prophètes. Il n'y a pas de prophète dans cette ville où pourrons-nous consulter Dieu, parce que Bissomoro, to luki, ba nest, to luki, ba monanité. Et ça, là, ma mbébélé, au sala, ba effort, na yomoko, au monate, tu dois consulter un prophète. Parce que la prophétie nous avertit. La prophétie nous édifie, la prophétie nous ouvre et nous éclaire sur le lendemain. Parce que la prophétie, c'est prédire ce qui va arriver demain. Il est important de consulter les prophètes, il est important de consulter les prophètes pour savoir qu'est-ce qui va nous arriver demain, dans 5 minutes, dans 10 minutes, qu'est-ce qui va nous arriver. Ceux qui battent, comme il y a une habilité, il y a un urim na tumim. La Bible parle de l'urim et tumim, c'est ce qui permettait à l'époque que le sacrificateur baille ba volonté en Zambé, baille ba nini koya quelque part dans la vie des gens ou dans la vie de la communauté. Il est important, Yakobé ta urim et tumim, koye ba nzamba lingini na moment oyo, elo nigo salema. C'est important. Alors, la fille Alexandra, elle est la fille unique de sa maman. Oui. Sa maman, lorsqu'elle a alerté la communauté, a botaillé, papa n'a pas wanganaillé. Et puis la maman s'est beaucoup battue pour que moi n'aie à recevoir une bonne éducation. Attends, il s'est collé bien, à faire voyager moi, à encadrer de loin. Peut-on dire que bah, divorce, moi n'a oyo, papa wanganapé, est-ce qu'il a sous la malédiction, sous la malchance? Cela aussi peut impacter sa vie spirituellement ou bien au Kolo Bandeni. D'abord, papa a wan mu c'est wangani mo c'est qu'à bannir mo nanaye. Le papa a banni sa fille donc a wanganié a renoncé naye. Donc c'est-à-dire mana bongo ba esprit ezwara bango et comme akakota molana bango bazana la protection papa te. Le papa a une protection. Si le papa reconnaît sa fille, si le papa reconnaît son fils, il y a une bénédiction qui marche avec l'enfant. Mais cela n'empêche une fille bannie, mais le Seigneur lui bénit. Vous voyez? Donc c'est important. Donc moi je vois pas que Ezali ma famille de Fongwama qui m'apporte. M'apporte Koko Fongwama. Ma porte Koko Fongwama, mais na na vie à moi na, mais quoi empêcher moi na réussir vinité pour la preuve du contraire, j'ai appris que Akena Canada, Akena Otanga na Canada, maman na zoaké en charge. C'est-à-dire avant na vie à bien, avant na social à bien, mais il y a une réclamation. C'est-à-dire toute la vie de cet enfant azaki na réclamation. Yango moni e bengeti na le ya liwa. La Bible dit Pierre, j'ai prié pour toi. Le diable t'a réclamé pour te gribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi en fait que ta foi ne tombe pas. Bien-aimé, et ça là ba réclamation satanique. Nengo oyebite qui est qui réclame ta vie. Tamsuma kila na ya famille et réclame ma vie na yo. Wana poto, wana vie mora bien, mais il y a une réclamation. Il faut qu'on mobile le lisa yo. Yo ka fo moi ça qui ma yo, ozara na momo ça na ngolo côté bana maladie vie et tambo raté. Et ça ba réclamation. Donc on comprend par là que la mort de notre sœur perd son âme. Et ça, la réclamation penakati. La Bible dit qu'il n'est pas permis aux jeunes de mourir. Mourir à 80 ans, c'est mourir tôt. Mourir à 25 ans, 21 ans, c'est mourir tôt. Mourir à 17 ans, c'est mourir tôt. Bah, mort avant le temps est comme ébélé. Et ça, il cause via la réclamation. Bah, via la tebélé, ça a réclamé, papa. Au moins, on a la libre de la couf. Bah, on a réclamé, banakala. Donc, en analyse tout ça, en regardant cet événement, c'est une réclamation qui a déjà commencé depuis longtemps, mais elle s'est concrétisée dans le Canada. Est-ce que maman Zagi distraite a un problème à vie de prière? Si la maman priait en profondeur pour moi, elle a révélé. Révéler. Il y a un seul roman, et ça a une dimension, il y a un seul roman à prière. Et c'est un roman à prière. Il y a un seul roman à prière.
jusqu'à ce que la Bible ait dit, elle commençait à remuer des paroles. Mais tant que Mosali Nzambe a lobi likolo ya ana Nzambe qui prière naye. Donc la prière ne résout pas tout et ça n'a pas dimension mususu et sengeli sacrificateur nganga Nzambe a loba maloba likolo nayo. C'est important. Papa, est-ce que vous savez que aujourd'hui les gens sont devenus réticents à cause des prophéties d'arrangement et les phénomènes qui ont acquis sont dévigulés. Est-ce que c'est vraiment important oui, c'est important de dénoncer les mal, mais ça rend les gens incrédules. Talabaliwan est à bout. Mais soit une maman, un pasteur, un homme, peut-être moi, je sais que je peux ressentir, peut-être prophétie, moi, je mais peut-être pas négliger, au fait. Pas ignorer. Ok, la Bible dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez les prophéties. Au moins, ceux qui doivent examiner les prophéties, et comme même si on a directive, dans ma recommandation. La plupart des cas, bien-aimés, quand on vous donne une prophétie, il faut demander quelle est la directive. Quelle est la recommandation de cette parole que le Seigneur m'a donnée? Parce que toute révélation a une directive et une recommandation. Dieu te donne la direction à prendre et te recommande toujours quelque chose. Dieu te parlera, mais n'oublie pas que Dieu te recommandera toujours quelque chose que tu dois faire. C'est ça la parole de Dieu. Donc, quand on méprise la prophétie, tu comprends la prophète. Une autre astuce, les pasteurs qui n'ont pas aussi les dons, parce que la prophétie dans le ministère prophétique, tu appelles un don et la prophétie. Tant qu'on a les cabourons, ça crée aussi la jalousie. Le quand on a la prophétie, tu as un ami, un prophète, tu as un ami qui écrase le prophète. Tout le monde va aventurier, les machionistes, les gens qui s'arrangent pour donner des trucs patati patata. Pour empêcher les gens d'écouter Dieu. Donc il est important ya batou ba consulta ka ba prophète ba yeba ka directive nza malobi pe ba obéissa kana recommandation de la part de Dieu. Alors tout est dit, tout est clair. Merci beaucoup l'apôtre AGK. Bandeko ebele ba otala biso na ba famille. Les réalités sont là. Il y a des gens qui sont devenus esclaves ya ba réclamation en famille. Oui, oui. Esclaves ya ba lien en famille. Oui. À cause de moi, vie n'est pas je m'en reboue après et comme il y a tout devient difficile et compliqué. Alors comment maintenant arriver à réussir? Soyez bitumba famille telle, bitumba blocage, bitumba peut-être de goloba, musale koufie baby, bitumba finance. Comment faire pour que muta zong na top na na montagne ce kazalaki? Ah na pèse moi na mon rembote Xavier Tambongongo depuis les États-Unis à Zolanabiso. La vie de ces frères m'a impacté. Avant les États-Unis travail, moi on a mis à moins loco, mais au moins à la vie de prière. Avant le bac que sans la prière dans cette famille, papa est dangereux. Au moins sans la prière, il est dangereux. Bah tu es papa, bah la réclamation, la rétrogradation. C'est-à-dire au moins vous êtes dans la photo, dans la Paris, dans la France, dans la Belgique, mais la réclamation, la rétrogradation. Rétrogradation, ils allient papa Jérémy, lui en bas, ils allient esprit moko maléfique. Ils ont consisté à tirer la vie de plusieurs personnes vers le bas. Au moins, il faut que tu aies dit mais ça divorce est lié à quoi. Au moins, il papa pas divorcé, maman pas divorcé. Il y a une réclamation dans le domaine d'un divorce, et maman une rétrogradation. Au moins, il faut que tu aies dit fort, papa, à quoi il y a une bambani. Il y a une réclamation à rétrogradation. La rétrogradation, il y a un système, il y a Satan, il faut empêcher le progrès dans la vie. Au moins, il faut que tu aies dit tant que niveau, il se sent bloqué. Il se dit j'ai tout fait, mais il n'y a pas une issue de sortie. Troisièmement, l'esprit de la rétrogradation, ils ont un système satanique où ils ont provoqué retard dans la vie, papa. Ils ont battu un retard. Le retard existe. Le retard existe dans la vie. Le retard existe dans la vie. Je vais vous montrer noir sur blanc dans Genèse chapitre 25, chapitre 30, verset 25 à 30, Jacob a dit ça là-bas. Quand est-ce que travaillerai-je pour moi? J'ai travaillé pour Léa, 7 ans. J'ai travaillé pour Rachel, 7 ans. Et j'ai travaillé pour toi, 6 ans, 20 ans. Quand est-ce que je travaillerai pour moi? Et ça n'a pas été belé, on a retard à vie. On a retard à Kobala. On a retard. Bien, mais ne négligez pas ces choses. Tu es en train de souffrir ces choses, Mimona. On a retard à Kobota. On a retard à Kobala. C'est-à-dire, on a retard à stabilité. Autant âge naïe, autant n'a pas réalité de vivre la vie, on a retard. Autant âge pousse à ni, mais moi, on a 5 ans. Donc moi, j'ai bien coco, j'ai bien papa, tu vois un peu ça, ça rend quelque chose. Au moins, une fille âge récent, il y a qu'au bas là, ils allaient 25 ans. Faut que déjà, moi, dans moi, si à l'équipe 25 ans, à comme combattre, c'est une grâce spéciale. Grâce spéciale,
à se donner à un homme de Dieu qui a l'alliance de Dieu, ma prière, vraiment il faut une grâce spéciale. Au moins il retard à Goba. Au moins mutu assis sa classe kala. Bah n'inga bakuma diako ça là, il y a zana retard. Au moins mutu zana la poto, ma zana même caillou. Azanga musala retard. Oh, famille batina ka libana moka akene ko luka s'organiser. Bazo mona ka bisoka futi facture, a futi kurana mai téléphone ba 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 bagage ba, mambutu mbongo sili. Mais na famille ka zakuna lokwa vora mbongo. O ka zana retard ya pas. Bien aimé, nzamba pesinga onction ya ko prier pour na bato bazan en étranger. La Bible dit la terre et ce qui l'habite le monde entier appartient à Dieu. Ozo mona quelque part ba maudire ba belé. Terre, écoute, cet homme soit privé d'enfant. Ma maudire y était, mais mon maudire ma belle. Et là, mon tout, ma maudire, ma belle, toi, autant. Au moment où tu es aux États-Unis, mais à 100 euros, à 100 dollars, au moment où tu es en France, à 1000 euros, ça, il doit crever. Pourquoi? Il y a la malédiction, Oyo, ils ont réclamé, même mon esprit à rétrogradation, ou ils ont même un retard dans la vie. Alors, ça, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un ami à la Suisse. Oui. Ma benginga imbangu, oh non, mon frère. Lukelanga prophète Denis Lesi, n'abissé pour quelles raisons? Oh non, na solana yé, ça ne va pas na na Suisse, mais mon frère, je galère. Oui. Yo za na Suisse, ba dozo rêver Suisse, yo ko nozo galérer. Papa, na ébissé le romoko et zali na ma malédiction, ba maudire yoté. Mais ma maudire ma belle. A dit ma belle a vu information. Yo partout au Kenya, pas mon matin, papa, je te dis, il y a des gens qui galèrent, qui crèvent. Mais l'homme de Dieu, pourquoi si que commis kaka batuba sibir ba loi ba famille et comme le rana top et en plus pourquoi ka vie au papa maintenant qui vit à ba chômage faut bana pe ba me ba le kaka na passi wana c'est le sang yango to na programme moboye briser les mauvaises alliances des familles. Vous voyez le sang, tu as le sang de ton père, tu as le sang de ta famille, ils vont réclamer. Il y a moins des importants. Non, papa, les sang réclame. Les sang, dans les sang de tout le monde, il y a la vie. Les sang parle. Les sang est puissant. Les sang te réclame. Et ça, papa, au bien sûr, il y a un seul moine. Mais qui les réclamera? Donc, il y a un moine. On s'en dit compassion, mon bout. Et là, on essaie de faire compassion, mon ana. Et ça, ma qui l'a yo. Ne qu'on a yo. On remarque compassion. Attends, on l'a raté. Mais ce que le monde, ça y est. Compassion côté pour Makila, les sang réclame. Et on a battu bien, papa, on a réclamation Makila, on les liens de la famille. Bon, t'as là Abraham. Abraham aboti, na retard. Vous savez, aboti n'a pas Sarah stérile. Au roman, on appelle Isaac abali Rebecca. Rebecca stérile. Au roman, on a Jacob abali Rachel. Moi, c'est la moutem, ou Alingaki, stérilité. Donc, ils ont lien. Donc, ils ont un bateau bébé, bah, sibir le lien familial. Dieu nous a donné l'onction de prier pour les gens afin de couper et de briser ces liens de famille et ces liens maléfiques. Alors, ça, c'est bien. Puis, monsieur Jérémy, bien compris. S'il vous plaît, il y a un bateau bébé, mon corps. Premièrement, tout bateau zongi na ibaneli, il faut consulter les prophètes pour être épargné. Deuxièmement, il faut consulter les hommes de Dieu pour être préservé dans la Bible, dans le retard, dans la réclamation. Troisièmement, il faut prier avec sincérité de cœur pour être aussi délivré, mais orienté par un homme de Dieu. Regardez, Anna a prié, mais rien ne s'est fait. Maluba Moussa Lanzam. Le diable a fait une astuce pour distraire les gens. Papa, et le réseau pour Matumiko, c'est la distraction. C'est-à-dire, les gens, ils sont contents. Il y a un cas. Église, mais ça, la maquionna. Pasteur, on a maquionniste. Mais ça nous distrait, ça nous édifie à quoi? Bon, n'est-ce pas, Toyebi? Est-ce que, échanger Bissoni? Et le réseau, on a toujours des problèmes. Oui, Toyebi, mais s'il y a des faux dollars, il y a aussi des vrais dollars. Si les faux dollars existent, il y a des vrais dollars. Dis-toi que moi, nous avons une place à ma bête. Donc, nous avons un exemple. Est-ce que nous avons continué à faux prophète? Non, nous avons un exemple n'est pas ma bête. Donc, ben abiso après mission, nous avons 4000 bébés au Nzamba et nous avons payé Sabbat. Les femmes ont été ratées. Papa Jérémy le Oyar en église, je pense que année Oyo na janvier, le 4 janvier, tu pries qui pour na ba femme stérile. Je vous dis, aujourd'hui, il y a plus de 20 femmes Oyo, ba boti, nous rendons gloire à Dieu et Dieu nous a fait grâce à cela. Il y a aussi, na année Oyo, bani n'a pas moli 7 mariages d'église. Donc c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Aux autres, on a mis partout dans le monde, les numéros est à côté, c'est le plus 243. 83 68 70 333 plus 243 83
68 70 333. Les numéros déjà est affiché là-bas. Vous pouvez nous appeler. On a un problème. On a dit ma réclamation. Vieux autant moulaté. Les cas de consultation. Dans la consultation, Dieu te donnera des directives et Dieu te donnera des recommandations à quelles tu dois obéir pour voir l'épanouissement dans ta vie. Quand un médecin consulte, il te donnera ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et ce que tu dois faire pour obtenir ta guérison. C'est un peu cela, M. Jérémy Lemar. Alors, merci beaucoup AGK, l'apôtre Gédon Kaimbe. Je pense que votre retour sur Équilibre Télévision nous Amen. A fait du bien. Amen. On va progresser avec les différentes émissions. Amen. Pourvu que ma famille est belée, base à la lumière, okay. base à la paix délivrée, nous rendons gloire à Dieu. Alors, clin d'œil spécial à Mike Moulongo, l'homme de Schengen depuis la ville de Mons, en Belgique, Mike Moulongo. Donc, nous sommes de cœur avec vous. Les célèbres Dienzundu na Washington, Yalu Zombala de Madrid, Keke Monama de Paris, le conseiller Papa Philippe Kabouikou depuis Fribourg, en Suisse, Mimi Ndoumé, femme de luxe, Moissi Ambongo, Mimi Ndoumé depuis Mochinglaba en Allemagne, et aussi à Sema Mayasi, femme légitime, Agency Mayasi, Forza Italia. Maman Claudine Louyeye qui nous capte religieusement depuis Kinshasa, honorable Claudine Louyeye, nous sommes de cœur avec vous. Bandeko Nyoso Botala Rabisso, ba Congolais de partout, que Dieu vous bénisse. Numéro et apôtre Gédon Kaimbeza affiché au bas de vos écrans pour plus de messages, contacts, prières, orientations divines. L'homme est toujours là, disponible pour nous tous. Alors, ça n'est fini pratiquement. Hein? S'il faudrait prier pour Nandeko, Azana, ba malaise, Azana, problème. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi, suivi avec attention. Azana problème, motemani simbami, ala nayaba service pour la délivrance naye, nzambe kangola bango. Ozobe la siko motemo nous a stressé, osa angoissé, yamba guérison nayo, osa étouffé, yamba délivrance nayo au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit a consolé famille abandeko Alexandra ou Autotikabiso, nzamba consolé famille wana, pe a pambo la chaîne au équilibre télévision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, merci à maman Lisa Loboko. Motema et les boss mémoire Boudimbo aux États-Unis. Frère Xavier Tambouingongo. États-Unis, Xavier Tambouingongo, depuis États-Unis, Nabengako Brown. Que Dieu te bénisse vraiment. Nzamba Tombolo Soumakasi, Tozoya États-Unis, Kalamingite. Je pense que ça va chauffer là-bas en Amérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Jérémy Yoka, le potier aux États-Unis. Jérémy Yoka. On est de cœur avec vous. En tout cas, Bandego Nyoso Bolingarabi, Soya Rodrigue Malongo aux États-Unis, Le Moutoufou Mouzing, Jean-Claude Chef Coutimier à Paris, Serge Loco qui est le mannequin. Bandego Nyoso Abisso, que Dieu vous bénisse. Bye et au prochain rendez-vous. Merci l'homme de Dieu. Ah, merci, M. Jérémy. Merci. Yangonde Zaliko Salake, Pona ba papa, ba mela kamasanga na kimia nyoso li bumogo ya mounene te, ongaï, nabota mouyako kangalisu li bumweza la kate, Otika la lingundu, libumu munene. Ta la ju oya dégraissement. Soko meliango, libumu pla, net kuto botate. E bongo kote ba papa. Boye ba ke pona ba kolongondo bwa kundu bwa nzoto bwa yo. Ye ba ke bazali na kisi ya force. Heye! Mukolo nzoto. Yangonde kisi ya solo solo. Mukolo nzoto aye. Yangonde zali kosunga nzoto ya ba papa. Pote libale zala elengi pe supu na nivou ya defuate. Ezali ko traite maladi lokola. Impuissance sexuelle. Ejaculation précoce. Hémorroïde. Oza mobimba awa. Na mukolo nzoto. Ezongi si nzoto na yo. Mobimba na force ya defuate. Okanisi mama Mika suki wana. Ten. Che mama Mika. Azo traite li sousou, férilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais yaba sorti nango nyonso. Po na bandeko oyo, bazali na ba santé déséquilibré. Onga na bela ka beri beri, mwana na nganzo tezali pe na pete pete alembaka pamba pamba, yeba ke awe zali na ba boui, 100% bio, tonga nzoto na niveau ya nyama, pote nzoto na yo, Eza la pena kolongone ya solo. Soko meli poto poto oyo. Okoza la mubimba. Pe sante. Elengi. Neti kaka na lola. Kote kosmetik ebiso e. Mama Mika. Reparatrice ya lo poso. Po
niveau à traiter banzoto ya basi pe mibali palado madame palado monsieur bazali na ba produit lokola huile d'ananas savon anti ndouta anti tampon anti tache yangonde mobimba bazali pe lisusu na crème de beauté temetis ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama gommage bazali ko sala ngo kitoko joli pomade ya suki plus huile pomade vimbovi pona ba papa oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa bango bako bonga kitoko po azonga penda mubimba lokola mobali ya solo bazali pe na crème réparatrice anti vergeture pona basi nyonso bazali na ba problème na banzoto ekosunga bango makasi kasi tuna ngai nini bakisho nyonso ezali ko traiter bato ezali sans hydroquinone a kutu atamu kelekete ya hydroquinone ezate pe ezalaka te soki olingo benga Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Okoki kozwa bango na avenue Pozo, numéro A17, quartier Matongé, na commune na Kalamu, référence cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo. +243 89 98 27 674. Tala, bako sabinote. Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Awa, 100% bio. Pe sans hydroquinone na ba produit na bango nyonso c'est naturel.